Yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve sur du World Wear 2. Comme j'ai vu que la précédente vidéo vous avait plu, que ce soit au niveau des vues comme au niveau des likes ou au niveau du retour sur le Discord, et bah écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir et je me suis dit, ce dimanche, c'est une vidéo World Wear 2. Et rien d'autre, ok? Si la vidéo vous plaît les potes, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Bon, aujourd'hui je vais vous expliquer quelques petites astuces. Sachez qu'il y a un lien dans la description. Allez tout de suite télécharger le jeu via ce lien. Vous aurez quelques récompenses gratuites. Mais ça, chut, il faut pas le dire. Comme j'ai dit précédemment, je vais vous expliquer quelques astuces que j'ai remarquées et qui pourront vous servir dès le début, sans perdre de temps. C'est parti, let's go. Ok, donc nous voilà directement dans l'interface du jeu. Et alors, attendez, je vais directement récupérer des récompenses, car je sais que j'en ai. Toucher pour ouvrir. Ok. Allez, le coffre de gemmes, 5 gemmes. Ok, ça c'est courant, généralement c'est 5 gemmes par jour, pas plus ni moins. Ok, Moré. Alors, j'ai vu que j'avais un coffre. Donc écoutez, on va partir en pack opening, c'est parti, let's go. Qu'est-ce que je vais voir? 59 de pièces, ok. Jacketening, ok. Oh, nouvelle cut, la ruche, ok. Bon, j'ai fait un screen, hein. Je suis désolé. Ok, ça fait chanter les abeilles, ok. Ok, c'est parfait. Bon, j'ai débloqué une nouvelle carte, à quoi elle sert? Attention, améliorer. Alors, ça fait chanter les abeilles. Ouais, mais ça m'en dit pas plus. Déploiement, ça déploie des abeilles. Nombre de total d'unités, 5. Ok, la santé, c'est... Ah, je vais même pouvoir déjà l'améliorer. Bah, c'est parti, let's go, hein. Je vais l'améliorer. Et je vais me le mettre dans mon deck. Ça nique un peu la vidéo, mais c'est pas grave. Je vais remplacer par le dôme. Le dôme, pour moi, il était utile sans l'être spécialement. Allez, on part directement pour cette première game. Et pendant la game, je vais vous expliquer, bien sûr, mes petites techniques. Allez, let's go. Ok, donc tout d'abord, le truc basique. Au début, je faisais l'erreur, moi, d'attaquer directement le sergent en face. Mais ça, c'est une très, très mauvaise erreur. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir se régène très facilement, donc vaut mieux pas le faire. Oula, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, Narvalus, là? Oulala. Oulala, mais c'est quoi ça, là? Oulala là là. Attendez, ça nique tous mes plans là. Oulala là là. What the fuck. What. Bon, on a rien vu, ok. Vous avez rien vu, j'ai rien vu, personne n'a rien vu, ok. Allez, on repart. Donc je disais, au début l'erreur que je faisais c'était de vouloir attaquer le colonel en face directement. Moi, ce que je conseille maintenant c'est d'attaquer principalement la tour de soins. C'est-à-dire la tour là qui est à haut à droite. Pourquoi? Parce que comme ça va éviter que le colonel de se régène. Bon là je peux pas encore une fois, mais j'aime bien poser Rex en premier, comme lui il l'a fait par exemple. Donc ce que je vais faire, ok parfait. Allez voilà, je vais pouvoir poser Rex côté tour de soin. Et moi je vais aller taper son Rex avec la tour d'attaque qui m'a rendu foudrage. Faut vraiment que je fasse mal à son Rex, hein. Vraiment que je lui fasse mal. Avant que lui me fasse très mal, d'ailleurs. Non, c'est bon. C'est bon. Enfin, ça pue, mais c'est bon. Allez. Parfait. Ah, je vais pouvoir poser la ruche. Allez, on va voir comment ça se passe. Ok, bah moi aussi, je vais faire la tour de soin. C'est qui est bon. Et je vais les ramasser dans son bidon en face, également. Donc, alors, quand vous posez Rex, ce qu'il faut faire, c'est également l'accompagner avec d'autres cartes, peu importe. Mais si vous pouvez poser Rex avec deux cartes, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, voilà, j'ai détruit ces deux tourelles. Là, très clairement, il est en position de faiblesse. Il peut rien faire. Donc, voilà, là, c'est une victoire assurée. Voilà. Donc, je me répète par rapport à cette game, principalement viser la tour de soins. Parce que la tour de soins va éviter au colonel de se régénérer. Et si le colonel meurt, vous avez gagné. Ok. Une fois que vous avez Rex, idéalement, ne posez jamais Rex tout seul ou du côté d'une tourelle. C'est-à-dire que si
sur, sur la tour de soins, et bah, y a une tourelle, ne mettez pas Rex de ce côté, mettez-le de l'autre côté. Idéalement, attendez que l'autre pose sa première carte afin de poser Rex. Parce que moi, il m'est arrivé que des fois, depuis que je mettais Rex, et le mec en face s'adaptait, c'est-à-dire bah, qu'il posait une carte qui me permettait de contrer Rex, et au final, bah, mon Rex ne faisait pas de dégâts. Ok, bon, pas de nouvelle carte, je vais rien pouvoir d'augmenter, c'est pas grave. Donc voilà, donc Rex, pour ceux qui savent pas, c'est lui. Et donc moi, principalement, c'est vrai que j'aime bien l'accompagner de elle, de sa vente folle. Parce qu'elle, elle ralentit les adversaires avec son premier coup. Et j'aime bien également l'accompagner de Major Flambard, que lui fait des dégâts de zone. Par contre, j'ai pas encore vu la ruche en réel action. Je me suis pas focus sur ça, donc j'aimerais bien voir. Alors attendez, je vais lancer un petit coffre. Je vais lancer celui-là de 4 heures. C'est parti, let's go. Et c'est parti. Donc là, jusqu'à maintenant, vous avez deux conseils. Deux conseils. Allez, en espérant que dans cette vidéo, j'aurai posé la possibilité de vous en dire d'autres. Alors, c'est quoi mes cartes? Attention. Ok, j'ai pas de Rex. Par contre, j'ai une ruche. Je vais la poser comme ça. Je vais poser les guêpes. Ok, il est pas bien. Voilà, donc là... Très clairement, si je me serais focus sur lui, ça servirait à rien parce que voilà. Bon, en plus, il a la carte qui lui permet de se soigner. C'est-à-dire que si je détruis la tour de soins, ça fera déjà ça en moins. Alors là, faut que j'aille directement attaquer Rex. Hein. Faut que j'aille attaquer son Rex parce que sinon, il risque de me faire mal. Donc, si vous tapez l'œuf alors qu'il n'a pas encore éclos, sachez que le Rex est moins puissant. Ça le rend moins cheat un peu. Alors ce que je vais faire, je vais poser une ruche ici. Ouais, je vais me faire ça. Ok, parfait. Allez, je vais taper sa tourelle. Enfin, sa tourelle, son Rex, autant pour moi. Je mets la savante folle. Je vais ramasser le coffre en or. Ça peut être très pratique. Je vais poser le flambard ici. Donc voilà, une fois que Rex passe, toutes les cartes derrière à suivre, elles sont couvertes. Donc très clairement, je pense que Rex, à mon niveau, c'est une carte qui doit rester dans mon deck. Alors je vais me reposer une nouvelle ruche. La ruche, ça m'a l'air vraiment fort quand même. Pareil, hein, à mon niveau bien sûr. Oula, 20% de batterie déjà? Non mais vraiment? Vraiment déjà, 20% de batterie? Bah je vais me soigner. Je vais poser la savante folle. Je vais essayer d'aller ramasser son bidon. Donc ça, si vous arrivez à le faire, croyez-moi, c'est très très positif. Ouais, je vais mettre le flambard. Je vais mettre Johnny Bigood. Et je vais reposer une ruche. Mais je sais que là, je pense que j'ai la victoire assurée encore une fois. Ouais, bon. Ok. Let's go. Donc, la preuve. Il avait une carte de soin. Je suis retiré sa tourelle. Ça n'a pas suffi. En faire clin d'œil. C'est la danse de la victoire. Oui. bah, tu sais quoi? Juste pour la vidéo. On va se faire ce coffre également. En espérant que j'ai une nouvelle carte. Qui sait? Ok. Oh! Non, toujours pas. Non, je suis dégoûté. Allez, on repart pour une game. Je pense que j'aurai encore quelques petits conseils à vous donner. Et après, je pense que vous serez parés à les déglinguer les games. Déglinguer, Maurice. Déglinguer. Allez, c'est parti. Bon, j'ai toujours pas Rex. Le poser comme ça, elle. Il faut que je défende. Je vais défendre. Ah, mais il attaque ma tour de soin, c'est pas possible, lui. Hop.
Allez, je vais attendre que Rex il soit full. Comme ça, je vais poser Rex. Je vais essayer de mettre la ruche derrière. Pour le cover. Allez. Parfait. Donc là j'essaie de poser les cartes derrière Rex dans la savante folle. Et après je vais mettre flambard. Allez let's go, tourelle de soin ça c'est fait. Maintenant je vais prendre le soin, le super coup, et je vais aller attaquer la tourelle moi aussi. Parfait. Bon je sais pas si ça va servir à quelque chose de mettre encore une ruche. Je vais mettre les troupes là. Je vais mettre celui qui découpe là, la machette. Alright. Donc voilà. En fait j'avais pas spécialement plus de conseils. C'était juste une affirmation de ce que j'ai dit auparavant. C'est à dire qu'une fois que vous posez Rex, essayez de le couvrir, de couvrir l'œuf au cas où. Et ensuite de poser un maximum de cartes derrière. C'est pour ça que l'œuf, il faut le reculer au maximum en bas, pas en haut. Voilà. Bon du coup j'ai pas récupéré les coffres. J'ai débloqué du coup, vu que j'ai atteint un certain nombre de trophées, j'ai un certain niveau plutôt, autant pour moi. J'ai découvert qu'il y avait des événements. Donc je sais pas comment on fait, je sais pas comment on y participe. Seul l'étage le plus haut atteint pendant l'événement sera pris en compte. Et en fait il y a des événements pratiquement tout le temps. Parce que regardez, dans 14h celui-là il se termine, dans 16h celui-là il commence, et dans une journée celui-là il commence également. Donc il y a des événements réguliers pour débloquer un max de cartes régulièrement. Et ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes à débloquer. Hein. Qu'est-ce que... Ah je peux récupérer... Oh. Ah. C'est quoi ça? Oh non. Barbarix. C'est quoi ça? Barbarix. Charge un ennemi à distance et inflige des dégâts élevés autour de celui-ci. J'ai pas compris. Charge un ennemi à distance et inflige des dégâts élevés. Ne charge pas si... Ah ok. Ok ok ok. Donc c'est-à-dire qu'elle peut faire très mal. Bon on va l'améliorer hein. Ouais. C'est pour ça qu'il va me coûter cher. Parfait. Bon bah écoutez les potes, ça fait plaisir. Deux nouvelles cartes dans cette vidéo. Que demander de plus bien sûr. Enfin voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si c'est pas déjà fait. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo en entier, mets un petit commentaire de ce que t'en penses. N'oublie pas qu'il y a le lien dans la description qui vont te permettre de débloquer pas mal de trucs, mais ça, chut, faut pas le dire. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos sur World Will Do. Je te souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée, je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag, allez, wouh! Baby!